Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette émission très spéciale consacrée à la sortie du hors-série dédié à la formation, un hors-série de notre magazine L'Hémicycle que vous connaissez déjà très bien, un supplément intitulé Formation, la grande transformation, l'occasion de passer en revue les grands défis qui nous attendent et qui vont sans doute changer la face de nos sociétés. Alors, face aux crises qui percutent notre planète, comment l'éducation, la formation peuvent jouer un rôle pour renforcer notre position et assurer une véritable transformation. Transformation, un mot à la mode, mais tellement important. Premier défi, l'employabilité et l'inclusion, qui rappellent à nos sociétés qu'on ne peut pas laisser sur le bord de la route des personnes éloignées du marché du travail. Et dans ce cadre, l'alternance et le digital constituent des réponses qui peuvent solutionner un grand nombre de problèmes jusque-là insurmontables. Alors, autre sujet, l'intelligence artificielle. Vous allez voir, on va adresser un maximum de sujets en une heure. L'intelligence artificielle qui change de manière significative les approches pédagogiques et qui peut également effrayer certains et confère ChatGPT, on en parle beaucoup en ce moment. Enfin, dernier point, un dernier sujet que vous découvrirez dans ce supplément, je le montre, le supplément de l'Hémicycle, et ça c'est, il sortira demain, ça c'est le supplément, le magazine, et le supplément consacré à la formation, à la grande transformation. Je le disais, l'international, on le verra avec la patronne de Campus France. La France ne manque pas d'atouts, mais fait face à une concurrence très forte partout sur la planète. Alors, la France demeure-t-elle une zone d'attractivité pour les talents du monde entier? On le verra avec elle. Sommes-nous en capacité de renforcer nos positions au moment où des pays émergent un peu partout sur la planète? On le verra aussi avec elle. Les sujets sont denses, riches, et à ma gauche, elle représente l'opinion. Voilà, Laure Salvin. Laure Salvin de Kantar Public. Hein. Et le public est important. Vous l'avez fait répéter plusieurs fois quand on préparait, juste à côté de moi, pour décrypter les résultats d'une enquête qui a permis de sonder les Français sur les sujets dont on va parler aujourd'hui. Rappelez-nous la méthodologie, après je vous présenterai nos invités. Absolument, merci, merci Gilbert. Bah, ce soir, je vais vous présenter des choses un petit peu différentes. D'abord, un sondage que nous avons réalisé donc, pour l'Hémicycle, sondage auprès d'un échantillon représentatif de Français, hein, que nous avons rangé, réalisé il y a très peu de temps, il y a un petit peu moins d'un mois, et vous allez voir quelques chiffres clés. On ne va pas ce soir vous abreuver de chiffres, mais vraiment les 2-3 chiffres qu'il faut retenir. Et puis, ce que j'ai fait également, c'est que j'ai mis en perspective quelques résultats par rapport aux autres pays européens, puisque vous savez que Kantar Public réalise les études pour l'Eurobaromètre, pour la Commission européenne, et donc sur un certain nombre de sujets, notamment l'intelligence artificielle, vous allez voir, nous avons des résultats qui permettent de voir quel est l'état de l'opinion des Français par rapport au reste des pays européens. Et donc, on pourra en débattre et en discuter ici. Il faut toujours se comparer, de toute façon, c'est intéressant. Alors, premier sujet consacré à l'inclusion, lié à le digital, deux thèmes à la fois loin et très proches. Vous allez le voir, Nathalie Hector de Schema Business School, vous êtes directrice de l'innovation. Bonjour Nathalie, bonsoir. Bonjour. Il est l'heure de dire bonsoir, hein, évidemment. Et on verra avec vous comment vous avez investi ce champ de l'intelligence artificielle en France, mais aussi à l'étranger, puisque vous avez un laboratoire de recherche au Canada. Je crois qu'ils sont très forts, hein, en intelligence artificielle. Alain Assouline, qui a lancé des filières pour les personnes éloignées de l'emploi. Sur le digital, son histoire est passionnante. Il a monté un groupe qui s'appelle Webforce 3. Je raconte un petit peu, hein, je fais un peu de storytelling, Alain. Il avait une agence de communication, il cherchait des talents. Il s'est dit, mais je ne les trouve pas, eh bien, je vais les former. Il nous racontera son histoire et on verra comment, au fond, on peut rattraper pas mal de gens via le digital pour aller sur des métiers en tension, hein, on le dira. Bonsoir, Alain. Bonsoir. Céline Schwebel, vous êtes en visio, en duplex, comme on dit, vice-présidente de l'OPCOEP. Bonsoir. Je vais les former. Bonsoir. On son histoire et on vous êtes avec nous. Alors, vous avez vu, on va parler de beaucoup de choses, de l'inclusion. C'est un thème qui vous est cher au sein de l'OPCO, évidemment, et l'intelligence artificielle. Tous les métiers sont concernés, y compris les métiers de proximité que vous représentez. Ah, oui, tout à fait. C'est un champ d'application tout à fait vaste et tout à fait prometteur. Bon, bah écoutez, on compte sur vous, vous nous éclairez. Et puis mon invité, il sera là avec Laure pendant toute l'émission, Thierry Coulon. Alors Thierry Coulon, je ne vais pas vous faire son CV, sinon on ne fait que l'émission là-dessus. Alors, il a été notamment président d'université, il a enseigné en Australie, aux États-Unis, c'est ça aussi? En Australie. En Australie, et mathématicien. Bon, je ne vais pas redescendre trop bas, voilà, on arrête. Et vous avez été président d'université et surtout conseiller également du président de la République, Emmanuel Macron, longtemps, à l'éducation, à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation. Et vous êtes aujourd'hui président du HCVRS. Alors le HCVRS, c'est l'institution qui évalue les formations. Alors vous êtes au cœur de la machine, si je puis dire. Alors quand on a titré les grands défis de la formation, la grande transformation, est-ce que l'éducation, l'enseignement supérieur est en pleine transformation? Enfin, j'imagine que c'est indispensable aujourd'hui. Quel est votre sentiment?
Alors c'est toujours difficile de saisir l'instant. Ce qui est clair, c'est que si on se retourne un petit peu, les dernières décennies ont été des décennies de transformation très importante du paysage de l'enseignement supérieur. C'est ce que je connais plus que l'ensemble de la formation et de la formation professionnelle, de la formation secondaire. Enfin, il y a tout un paysage. S'agissant de l'enseignement supérieur, il a beaucoup bougé. Et il suffit de regarder autour de nous, de voir les défis qui se présentent et l'impact des technologies pour présager que les transformations vont être extrêmement importantes dans les années qui viennent. Quoi. C'est ça qui est important, c'est ça qu'on a constaté. Certainement. Ouais. Ben, on le verra de toute façon. Hein. Je vous pose des questions, vous faites vos réponses, hein, je vous rassure. Alors, premier chiffre concernant l'IA, parce que vous avez sondé les Français sur l'intelligence artificielle. Tout à fait. Alors, effectivement, premier chiffre qui me semble intéressant à partager, c'est 55% des Français considèrent que l'intelligence artificielle aura un effet positif sur notre manière de vivre dans les 20 prochaines années. Donc vous voyez, c'est beaucoup, 55. Alors, bah, justement, est-ce que c'est beaucoup? L'ensemble des habitants de l'Union européenne, ils sont à 61%. Ils sont 61% à considérer, effectivement... Plus significatif, oui. Voilà, une majorité beaucoup plus importante. Et donc, on voit chez les Français ce rapport un petit peu ambigu, c'est-à-dire qu'on a envie d'y aller vers l'intelligence artificielle, clairement, et on le voit notamment à travers cet autre chiffre, là, ces autres chiffres que nous avons spécifiquement pour l'hémicycle. Hein. L'intelligence artificielle dans l'éducation, eh bien, elle est considérée comme indispensable, utile ou en tout cas importante dans un cadre pédagogique, vous voyez. Plus de 77% des Français, effectivement, nous disent que c'est important de rajouter quelque part de l'intelligence artificielle dans un cadre pédagogique, mais de façon encadrée pour une partie des Français. En tout cas, quelque chose qui est contrôlé et qui associe également les publics concernés. Et ça, c'est quelque chose de très important aujourd'hui quand on est quand même dans un contexte assez perturbé, assez chahuté, où les Français demandent de plus en plus à ce qu'ils soient associés, à ce qu'ils soient impliqués dans les décisions qui les concernent. Et bien, sur l'intelligence artificielle spécifiquement, les Français demandent à ce que finalement les décisions qui sont prises dans la matière soient prises en concertation ou en tout cas en impliquant les publics directement concernés. Et quand on parle d'apprentissage, c'est évidemment les plus jeunes. Mmh. À noter que ce sont les plus jeunes d'ailleurs qui sont les plus enclins effectivement à développer l'intelligence artificielle. Ils se servent de ChatGPT pour faire leurs devoirs, donc évidemment ils sont déjà dedans. On parlera d'inclusion tout à l'heure, juste quand on abordera ce sujet. Un petit tour de table rapide, Nathalie. Vous, la spécialiste d'IA, puisque c'est vous. Vous êtes désigné la spécialiste d'IA, en tout cas chez Schema Business School. Il y a un laboratoire en France, au Canada. Vous avez beaucoup investigué ce champ. Alors, une réaction sur cette volonté des Français d'y aller? Très bien, bien sûr que c'est bien. Après, qu'est-ce qu'on met comme définition lorsqu'on pose la question sur l'intelligence artificielle? Ils ne savent pas encore ce que c'est. Ouais, je pense que globalement, c'est pour le grand public, c'est pas certain qu'il y ait cette capacité à avoir une vision assez claire de la définition. Donc c'est plutôt bien, sur une définition pas certaine, d'avoir déjà un pourcentage supérieur aux 50 sur une volonté positive autour de l'intelligence artificielle, parce que c'est un moyen de partir sur une bonne dynamique. Alain, même réaction sur ces chiffres? Sur le chiffre lui-même, oui, on voit que c'est 50-50 quelque part. Hein, donc, mais je pense que la donne va changer très rapidement. Oui, ça s'accélère. C'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu la tribune qu'a fait Bill Gates sur le sujet, où il dit qu'il a eu le même choc que quand il a vu l'interface graphique. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'en fait, la révolution numérique est arrivée par l'interface par rapport à l'informatique traditionnelle. Et je crois que là aussi, c'est une interface qui va changer beaucoup de choses. Céline Schwebel, un mot aussi sur l'intelligence artificielle. Les métiers de proximité sont aussi concernés, après tout. Tout est concerné. C'est intéressant parce qu'en fait... Oui, parfaitement. Nous, là où on la voit poindre, c'est justement dans un certain nombre de cycles de formation, en particulier pour les apprentis, puisque c'est quand même notre cible principale. Et on voit qu'il y a un certain nombre de branches professionnelles qui ont commencé à investir sur ces technologies. Alors effectivement, l'IA, mais peut-être un peu au sens large, pour voir comment on pouvait améliorer la formation des jeunes, et puis aussi entamer, je dirais, un espèce de processus que moi j'appellerais d'hybridation,
l'innovation. Les périodes troublées qu'on a connues autour du Covid ont fait avancer, je dirais, les modalités pédagogiques, et l'IA en fait partie. Alors pour l'instant, ça n'est pas une technologie qui a été appropriée par l'ensemble des branches professionnelles, mais on voit que ça commence à poindre, et on espère, voilà, tout à fait, et qu'on a déjà quelques réalisations qui sont assez stupéfiantes, du moins dans les démonstrations qu'on a pu voir, et qui attirent forcément l'attention au sens pédagogique du terme des différents apprentis qui y sont confrontés. L'intelligence artificielle, alors, vous avez présidé des universités, et là on est à l'échelle, si je puis dire, les universités, c'est quand même 2/3 des étudiants en France, hein, donc il y a les grandes écoles, plus petites, plus de taille plus réduite, et donc l'essentiel c'est l'université, j'allais dire au niveau masse, hein. Est-ce qu'on est prêt à affronter ce défi de l'intelligence artificielle? Parce que c'est ça dont il s'agit. Il y a deux questions, il y a le choc de l'intelligence artificielle, et puis il y a ses effets dans le monde de l'enseignement supérieur. Sur l'intelligence artificielle en général, c'est toujours difficile de penser à un choc technologique. Pensez à ce qu'on racontait au moment de la machine à vapeur, les escarbilles allaient vous tuer et ça irait trop vite. Ou bien, souvenez-vous du... Enfin, moi je suis assez âgé pour me souvenir du moment où j'ai vu pour la première fois un Mac. Bon, je ne suis pas sûr que l'opinion publique avait à ce moment-là une préscience très précise de ce qui allait se passer. S'agissant de l'IA, ce qui est clair, c'est qu'il va y avoir des questions éthiques. Il va y avoir des questions de souveraineté, il va y avoir des questions qui vont impacter la vie quotidienne. Bon, il n'y a pas si longtemps, Cédric Villani avait mis en place un plan avait proposé un plan sur l'IA que le président de la République avait poussé, et donc ces enjeux avaient été structurés sur le plan de la formation, sur le plan de la recherche, sur le plan de l'innovation. Bon. Alors, s'agissant de l'enseignement et des effets que ça peut avoir, je pense qu'il faut se dire que la transformation de la formation, elle a précédé la question de l'intelligence artificielle, elle la dépasse. De toute façon, l'acte de transmission, il bouge depuis longtemps, il bouge très fort ces dernières années, et l'IA va être un bouleversement de plus. Mais je crois qu'il faut se méfier d'un ton prophétique, ou alors au contraire d'une espèce de ton désinvolte en se disant que ça ne va pas avoir beaucoup d'importance. Si, ça va avoir beaucoup d'importance, et puis on n'en discerne pas encore complètement les impacts. Vrai, mais soyons prêts. Là, je discutais avec un avocat qui me dit que ça va être un problème réglementaire aussi, beaucoup, parce qu'évidemment, comment on en fait, quel usage on en fera. Nathalie, alors, je le disais, un schéma business school, vous travaillez sur ces sujets, et selon vous, comment ça va changer notre manière d'enseigner, par exemple, pour une école comme la vôtre, où vous avez mis au cœur de votre recherche, en tout cas, l'IA? Oui, la transformation, c'est tout simplement, mais je pense que globalement, c'est d'ailleurs une belle réponse, c'est qu'on bascule en fait d'un modèle qui est assez générique, avec des enseignements assez classiques, de la salle de cours, les travaux dirigés, des examens qui se réalisent d'une certaine façon, etc. Où finalement, depuis la nuit des temps, les professeurs ont face à eux un public d'étudiants qui peut être de quelques étudiants à une masse un peu plus importante, si on regarde le modèle des écoles de management ou le modèle de l'université. Et ce qu'on voit, c'est que cet outil ou ces outils peuvent être au service de la réussite des étudiants. Donc c'est un énorme atout, parce qu'on peut aller vers de la personnalisation si on utilise correctement et qu'on intègre en fait l'intelligence artificielle de manière sérieuse dans le cadre de la salle de cours, permet aux professeurs de pouvoir aller vers un accompagnement pour des profils qui sont divers et variés, qui n'arrivent pas avec les mêmes prérequis, qui n'ont pas les mêmes façons d'apprendre et où... aussi revenir sur des moments dans le cadre d'un cours, un cours de finance de 1h30 par exemple, il peut y avoir un moment, un concept qui n'est pas compris, et par résonance dans le cadre de l'intégration d'intelligence artificielle, eh bien on va aller sur le point spécifique, ça va faire réussir l'ensemble de la classe. Donc on a des exemples qui montrent que l'IA au cœur de la pédagogie transforme, mais au service d'un passage de la masse vers de la personnalisation. C'est du fine-tuning, comme on dit. Oui, c'est ça. Ça soulève quelles problématiques? Est-ce que c'est des problématiques, alors on parlait de propriété privée, de discrétion sur certaines data. J'avais quelqu'un qui me parlait de privacy, de data, d'IoT, enfin toute une série d'un jargon. Qu'est-ce que ça change? Pour l'instant, je pense qu'on est encore à un stade exploratoire pour beaucoup, parce que évidemment, c'est une transformation complète du modèle. On ne peut pas penser en fait une transformation avec de l'intégration d'intelligence artificielle sans revenir même sur le fonctionnement même de la pédagogie, de la maquette du programme, de la façon dont on initie les cours, de la façon dont on finalise des crédits ECTS dans le cadre d'un programme. Donc c'est toute une révolution complète de la façon dont on enseigne dans une école. Donc déjà, on a ce saut-là à passer pour une transformation de l'approche pédagogique.
politique. Ensuite, il y a des questions qui se posent et qui sont nécessaires, qui sont évidemment la capacité à un étudiant aussi, dans le cadre d'un examen, de savoir qu'il y a de l'intelligence artificielle, par exemple, avec une observation, une analyse de ces datas, de savoir ce qu'on va en faire. Donc, ils sont très exigeants sur ces sujets-là, et tant mieux, parce que ça montre qu'ils ont un esprit critique sur la gestion de la data. Je dirais, on avance aussi avec le temps, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller en avance de phase par rapport à des questions juridiques, et qu'au fur et à mesure des situations et des cas, on avance et on travaille avec les services juridiques ou d'autres services qui sont déjà passés par ces sujets-là avant nous. Thierry Coulon, un mot, c'est les profs. Hein. La pierre angulaire de l'enseignement, c'est le prof. Enfin, ça ne change pas. Il paraît que c'est une relation bilatérale. Il paraît que l'auditeur a une certaine importance aussi. Alors, il y a pas mal de patrons d'école et d'université qui sont là ici ce soir et qui sourient. Il y a de la conduite du changement. Il faut les accompagner parce que, évidemment, si on change leur manière d'apprendre, il faut aussi les former. Les enseignants ? Oui. Oui, je crois que le choc. Oui, il va être, raide. C'est un sacré défi pour eux. Pour eux, oui. Enfin, en même temps, c'est un métier de remise en cause permanente. C'est un métier de contact et de contact vers l'autre. Et je ne suis pas d'un pessimisme fou là-dessus. Vous dirigez, je le disais, le HCERS. Ouais. Vous évaluez les formations. Est-ce qu'on peut dire qu'on évalue les formations à leur capacité, justement, à prendre en main ce défi du digital et de l'IA ? Alors, on les évalue à 360 degrés. C'est-à-dire qu'on se demande qui elles recrutent, ce qu'elles apportent aux étudiants et comment les étudiants s'insèrent professionnellement. C'est déjà un vaste programme. Alors ensuite, l'innovation pédagogique, la manière dont les nouvelles technologies sont intégrées. C'est, une fois de plus, hein, Internet, ça a déjà bousculé la pédagogie de manière importante. Oui, donc on est attentif à ça. On a essayé de voir ce que, à travers nos rapports, on pouvait dire de la crise Covid et de ses effets à long terme. Il est clair que ça a changé les pratiques pédagogiques. Oui. Alain Souligne, quand vous avez créé Webforce 3 il y a 10 ans, vous pensiez, je n'ai pas assez de talents digitaux, en gros. Hein, je caricature, vous me dites si je suis dans le faux, mais je ne pense pas. C'est seulement 7 ans. 7 ans, mais je vous ai vieilli, pardonnez-moi. mais ça veut dire que c'est allé encore plus vite que ce que je ne pensais, en ce qui me concerne, parce que Webforce 3 est présent dans 50 villes, donc c'est à peu près ça. D'abord, est-ce qu'on manque de talents sur ces sujets-là? Parce qu'on parle toujours du manque de 10 000 ingénieurs, et sur le digital, alors là, c'est abyssal, les besoins. Bah, en fait, quand j'ai créé Webforce 3, je l'ai fait avec, parce qu'on parlait de 30 000 postes à fournir. Là, on parle de 430 000 à horizon 2025. Ah oui, c'est-à-dire demain, le président de la République a fixé l'objectif de 500 000 personnes qu'il faut former d'ici la fin de son mandat. Donc oui, c'est très important. Ouais. Et vous le sentez d'abord parce que on manque de talent, on manque de talent féminin, d'ailleurs je le signale, hein, parce que les filles ne s'engagent pas assez dans le digital. Vous le sentez, vous, qu'il y a un manque d'appétence pour ces disciplines digitales, il y a la cyber, que sais-je? Justement, je ne pense pas qu'il y a un manque d'appétence, en fait. Je pense qu'il y a un problème de démocratisation d'accès aux métiers du numérique, et c'est un peu pour ça que j'ai fait Webforce 3, c'est-à-dire que moi j'ai... en effet, vous l'avez raconté, hein, j'avais une agence digitale où un jour un ami m'a demandé de prendre dans l'agence un jeune qui était complètement déscolarisé, il avait 16 ans et qui, paraît-il, aimait le numérique. Donc je l'avais pris, je l'avais mis dans le chaudron de l'open space où il y avait tous les développeurs et 2 ans après, il était lead développeur, dirigeait d'autres développeurs. Aujourd'hui, 10 ans après, il est directeur de la data au journal Le Monde. Ah oui, quand même. Mais cette personne m'a... Enfin, il m'a... Comme par ailleurs, sur le plan... j'ai aussi des engagements. Pendant longtemps, j'ai été adjoint au maire. Je me suis occupé en particulier des jeunes des quartiers. Et je me suis dit, c'est quand même... On a dans les quartiers prioritaires, on a 2 jeunes sur 3 qui sont au chômage. Et on a là des métiers où il y a... Bon, et en général, à ces jeunes-là, on leur propose des métiers qui ne sont pas toujours super sympas. Et valorisés, et valorisants. Voilà, qui ne sont pas toujours valorisants. Donc, voilà, je me suis dit, pourquoi ne pas former ces jeunes-là? C'était ça le point de départ. C'est génial parce que, en fait, Alain fait l'émission, puisqu'on fait le lien entre le digital et l'inclusion. Laure, les chiffres, Céline, vous passerez la parole sur ce sujet-là. Un chiffre sur l'inclusion. Sur l'inclusion, justement, à nouveau, hein, quand on regarde la France par rapport aux autres pays
européens, ben on se rend compte à quel point pour les Français c'est important cette question de l'inclusion. Alors quand on parle d'inclusion, les Français évidemment ils mettent pas mal de choses derrière l'inclusion. Hein. Il y a à la fois l'inclusion des personnes en situation de handicap, quand on leur parle d'inclusion, ils parlent aussi des personnes vivant en zone rurale, en territoire un peu isolé. Effectivement, il y a également les femmes. Et notamment, vous voyez, 80% des Français considèrent que l'égalité des sexes dans ce domaine conduirait à garantir une société plus juste et égalitaire. Donc, ils ont bien conscience que c'est un sujet important. Sur l'inclusion, effectivement, c'est quelque chose que nous avions d'ailleurs noté dans l'hémicycle, dans un des numéros de l'hémicycle, parce que nous avons fait une grande étude sur les métiers de la data. Et effectivement, la plupart des grands chefs dirigeants que nous avions interrogés considéraient qu'il n'y avait pas suffisamment de talents à recruter, et surtout de femmes, alors même qu'ils essaient dans leurs entreprises de faire des efforts pour justement ouvrir un peu aux femmes ces métiers de la data. Alors, faisons un lien. Alors, vous avez compris qu'on traite des sujets parfois éloignés, mais qui se retrouvent. Alain, justement, vous avez donc focusé sur les formations digitales, vous avez simultanément focusé sur le besoin de ramener des jeunes vers l'emploi. Alors, racontez-nous cette expérience et finalement, en switchant un peu les modèles pédagogiques, c'est ça qui m'intéresse. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a, on s'est mis un challenge quelque part à dire on va former des jeunes ou des moins jeunes, hein, des personnes très éloignées de l'emploi. Et en effet, y compris des personnes sorties du système. Donc en effet, j'en parlerai, mais on a beaucoup de personnes en situation de handicap dans nos formations. L'objectif, c'était de les former en... Je me suis dit, des personnes qui sont sorties du système, si on leur propose de les former en un an ou deux ans, on n'y arrivera pas. Ils ne vont pas se mobiliser. Ils vont décrocher, oui. Et donc, la première chose, c'est qu'on s'est dit, on va les former en trois mois. Ouais. Et quand j'ai dit ça, ouais. On a tiré un boulot, évidemment, il a fait des études tellement longues que... que ça n'a servi à rien. Non, mais l'idée, c'était de former des personnes immédiatement employables sur le métier de développement, des techniciens système et réseau, etc. Et donc, il a fallu, en effet, réfléchir sur la pédagogie, sur la manière de faire. Et donc, on a mis en place, on a fait quelque chose... On a fait de la pédagogie active, donc ça c'est vieux. Learning by doing, c'est ce que vous m'avez dit. Oui, mais bon, on dit learning by doing, mais en fait, les artisans du Moyen-Âge, ils utilisaient ça. Hein. Simplement, c'est vrai que la massification de l'éducation a fait que c'était très difficile, dans une classe avec 35 ou 100 élèves, de faire du learning by doing. Vous dites, en fait, avec le digital, en adaptant des programmes, en réalité, on peut trouver des compétences, parce que les talents, en les formant un peu de bannière par projet, hein, c'est ça que vous disiez, on peut ramener un certain nombre de personnes éloignées de l'emploi. Voilà, donc en fait, on a des formateurs qui sont des professionnels du métier qu'ils enseignent, qui forment par des exercices pratiques, par des projets individuels ou en groupe, etc. Et ensuite, donc, il y a bien un formateur, il n'y a pas de sujet là-dessus. Le prof reste, hein, pas mais, de problème, voilà, il y a assez de gens dans la rue. Et il est très important, il est très très important. Simplement, quand le cours est fini, quand l'apprenant rentre chez lui, il reçoit sur son portable un QCM, une dizaine de questions qui sont générées à partir de ce qu'il a vu dans la journée. C'est ça l'idée, en fait. Et en fonction des réponses, on va lui dire... Il y a telle ou telle chose que tu as mal comprise et on lui met un lien vers une fiche de révision sur notre site. Il y a tous nos cours sont filmés, donc il y a un replay du cours qui est uploadé le soir même. Et puis, en même temps, on envoie une alerte au formateur en lui disant « telle personne a eu des difficultés avec telle notion, il faudra vérifier le lendemain. » C'est ça, en fait. Et si on a une moitié de classe qui a un problème avec une notion, l'enseignant pourra la reprendre aussi le lendemain. C'est ça la data, en fait, elle remonte. Céline Schwebel, vous avez entendu. C'est intéressant ce qui est dit. L'inclusion dont a parlé Alain, c'est aussi au cœur de vos problématiques au sein de l'OPCO. Il faudra vérifier le lendemain. Et si on a une moitié de classe qui a un problème avec une notion, l'enseignant pourra la reprendre aussi le lendemain. C'est ça la data, en fait, elle remonte. Céline Schwebel, vous avez entendu. C'est intéressant ce qui est dit. L'inclusion dont a parlé Alain, c'est aussi au cœur de vos problématiques au sein de l'OPCO. Vérifier le lendemain. En fait, et si on a une moitié de classe qui a un problème avec une notion, l'enseignant pourra la reprendre aussi le lendemain. C'est ça la data, en fait, elle remonte. Céline Schwebel, vous avez entendu. C'est intéressant ce qui est dit. L'inclusion dont a parlé Alain, c'est aussi au cœur de vos problématiques au sein de l'OPCO. Vérifier le lendemain. En fait, et si on a une moitié de classe qui a...
Pour vous entendre sur le plateau, j'imagine que ce que vous dites est très intéressant. J'en suis convaincu. En tout cas, j'en suis sûr. Et donc, voilà. Un mot, Nathalie. On arrive déjà à la fin. Pardon, Alain. Non, juste... Je voulais juste ajouter que, justement, par rapport à la data, c'est que ces difficultés qui ont été rencontrées, tout ça, c'est des data qu'on garde. Et puis, on réinterroge la personne. Un mois après, oui, bien sûr, ben c'est... on a un algorithme qui reprend des choses pour voir si... si ça a bien été mémorisé. Et donc, ça permet comme ça, au moins, d'avoir une approche qui permet d'individualiser un petit peu la formation. 19h26, ça va trop vite. Nathalie, un mot, quand on parle d'intelligence artificielle, on a fait le lien, vous avez, avec l'inclusion, on a réussi notre cours. Est-ce que ça coûte cher? Parce qu'en fait, le sujet, on demande tellement de transformation à notre système, à l'éducation, on demande tout, hein, en fait. De faire du sport, hein, puisqu'il y a eu un rapport, de faire du civisme, de faire... de faire du digital et de l'intelligence artificielle, est-ce que ça coûte cher d'investir, vous, à votre niveau? Est-ce que ça représente des investissements, une ligne budgétaire importante? Et dans l'université, ça représentera, j'imagine, des moyens supplémentaires? On verra tout à l'heure. Alors, naturellement, il y a un investissement. À partir du moment où on croit en quelque chose, évidemment, investir sur un centre d'innovation en intelligence artificielle, notamment au Canada, c'est un investissement pour une école. Il n'en demeure pas moins que c'est aussi avec une recherche de retour sur investissement dans le cadre pédagogique, pas forcément une recherche de gain d'argent, mais au contraire une capacité en fait de transformer complètement le modèle de l'école au travers notamment d'un centre qui œuvre pour l'ensemble du groupe, l'ensemble des campus et qui peut véritablement accompagner la réussite des étudiants au cœur d'un écosystème de l'intelligence artificielle au Canada où on peut solliciter tous les experts qui sont quand même plutôt placés à cet endroit qu'ailleurs dans le monde. Donc si on regarde ça, oui, c'est un investissement, mais c'est au regard d'un plan stratégique sur un certain nombre d'années, c'est ce que fait Alice Guillon. Et globalement, aujourd'hui... Alice Guillon, la directrice générale de ce qu'est la Business School. Qui y est en ce moment, d'ailleurs. Et globalement, voilà, donc il faut... Oui, ça coûte cher, mais au même titre qu'une autre école va faire d'autres investissements, au même titre que choisir d'ouvrir un campus peut aussi avoir des coûts. Mais je pense que là, il faut avoir une vision un peu plus long terme et que les investissements qui sont faits aujourd'hui, c'est au service d'une meilleure transformation parce que ça fera partie aussi, évidemment, parmi les choix des écoles, d'une forme de différenciation de nos modèles pour celles qui auront véritablement investi dès le démarrage et celles qui rentreront sans doute dans un deuxième temps sur des technologies plus matures, mais qui n'auront pas fait aussi tout ce travail de transformation et qui fera la personnalisation du modèle de l'école. Juste un mot. Quand on préparait cette émission, vous me racontiez, finalement, l'État est assez investi sur le champ du financement pour inclure ces gens-là via le digital sur ces formations. C'est ça aussi qui a été l'accélérateur. Il y a eu plusieurs moments où l'État a mis des moyens importants. Il y a eu la grande école numérique avec des financements, des subventions d'amorçage. Et puis ensuite, il y a eu ce qu'on appelait les PIC 100% inclusion qui nous ont permis aussi d'aller chercher les jeunes dans les quartiers avec des financements, des ateliers de 200 heures pour les préparer à rentrer en apprentissage. Il y a eu aussi, dans le cadre des PIC aussi, un programme qu'on a mené pour les personnes en situation de handicap. Donc l'État s'est pas mal impliqué. Et puis, on peut le dire, garder les personnes sur le territoire, c'est aussi les former sur ces sujets d'avenir, hein, parce qu'on aura aussi besoin sur tous les territoires. Voilà, ce qui est important, c'est vraiment arriver à avoir partout des talents numériques sur tous les territoires. Je ne sais pas si on peut avoir Céline Schwebel, je ne sais pas ce que me dit notre assistant plateau, il me fera un signe, oui ou non. Me fait non. Thierry, un mot, alors on a vu, moi j'aimerais savoir, alors je parlais des profs, conduite du changement, je parlais des infrastructures, investissement dans les réseaux, changement des mentalités, ça veut dire qu'on parlera de l'international et de notre position, c'est un élément clé aujourd'hui, c'est-à-dire que sans ça, on ne sera pas au niveau des autres nations. Alors on parle beaucoup des États-Unis et des pays asiatiques qui émergent. Je reviens sur ma question de départ, est-ce qu'on est capable de le faire d'un point de vue global? Même si l'État investit beaucoup. C'est pas comme si on avait le choix. Moi, je voudrais simplement dire qu'il y a un sujet inclusion qui est massif. Il ne faut pas l'identifier avec le sujet du numérique. L'inclusion, c'est le territorial, c'est la féminisation, c'est la question de l'âge, la formation tout au long de la vie. Et il n'y a pas 36 recettes, il y en a deux, me semble-t-il. Un, c'est d'assurer la diversité de l'offre de formation. C'est l'offre de formation qui doit s'adapter au profil des étudiants, et ce n'est pas l'inverse. Et la deuxième chose, la deuxième vertu, c'est la transparence. Regardez les métiers du médico-social. Auparavant, les IFSI, les centres de formation d'infirmiers, etc., c'était déconnecté les uns des autres, on ne savait pas très bien où était la demande. On met Parcoursup, on s'aperçoit tout d'un coup de deux grands scoops. Un, il y a une demande énorme,
les étudiants ont envie de faire du médico-social, et deux, il y a des besoins énormes. Et entre les deux, il y avait des tout petits tuyaux qui n'étaient pas tout à fait satisfaisants. Donc, à coup de transparence et à coup de diversité, on doit pouvoir faire de l'inclusion. Maintenant, il y a un lien entre l'inclusion et le numérique. Le numérique rebat les cartes. Je pourrais vous raconter, sans prendre trop de temps, dans une équipe de maths d'il y a bien longtemps, où les secrétaires tapaient des formules de maths incompréhensibles sur des machines à écrire. Et puis un beau jour arrive un logiciel qui s'appelle Tech, qui est un logiciel intelligent. Il y avait deux secrétaires. Il y en avait une qui socialement était assez délurée, qui parlait bien, etc. Puis une autre qui était timide et dont on se disait, on n'en fera pas grand-chose. Elle a compris Tech avant tout le monde et elle nous l'a appris. Bon, le numérique rebat les cartes sans cesse. Et petite page de pub pour terminer pour un bouquin qui est extraordinaire, qui est le bouquin d'Alessandro Baricco, écrivain, romancier italien assez connu, qui a monté une école d'écriture à Turin qui s'appelle la Holden School. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle The Game, en folio, vous pouvez lire ça ce soir, et qui comprend la transformation profonde, anthropologique, qu'est le numérique. Et il commence par une phrase que j'ai oubliée, mais qui est du style « Si vous êtes perplexe devant les jeunes qui n'emploient pas le subjonctif, mais qui ont vu 30 fois plus de films que moi à mon âge, et si vous le vivez d'une manière angoissée, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. C'est-à-dire que c'est une richesse absolument extraordinaire. Maintenant, le sujet de l'inclusion, il ne se réglera pas seulement à coup de numérique. On est d'accord. Bien sûr, bien sûr. Alain, mais évidemment, dans nos écoles, il y a beaucoup d'accompagnement social, ouais, beaucoup d'humains. Il faut de toute façon. Voilà, on a fait le lien quand même, si Thierry nous rappelait que évidemment, on ne peut pas tout régler par le numérique, mais on a vu qu'on pouvait faire des petites choses. Et puis surtout, qu'on réfléchit bien dessus. Ouais. Laure, vous voulez dire un dernier mot? Juste un dernier mot, je pense qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est IA, formation, enseignement, et puis entreprise, besoin des entreprises, et comment les connecter tous les trois, parce qu'effectivement, quand on regarde les besoins des entreprises aussi, on voit qu'ils sont en attente de davantage de formation, de type de formation, et surtout davantage de formation qui soit ensuite vraiment utile pour les entreprises. C'est pour ça qu'il y a c'est peut-être une autre émission, mais... On peut rester 3 heures, on peut parler de tous les sujets. C'est tout. La professionnalisation, c'en est un gros. Attendez, vous restez parce qu'on parle dans le deuxième plateau de l'apprentissage et de l'international. Il y a aussi des personnalités qui nous rejoignent. Alain Souline, merci. Merci beaucoup. À Webforce 3, merci beaucoup. On vous retrouve dans l'hémicycle. Vous restez, attendez, il y a un jingle et tout. On ne se lève pas comme ça en plateau, Alain. Merci Nathalie, Hector de Schema Business School. On retrouve aussi Schema Business School dans le supplément. Thierry, vous restez. Céline Schwebel, je suis désolé, la technique nous a rattrapés. C'est aussi ça le digital, c'est que parfois on a du mal à comprendre ce qui se passe. Pourtant, tout marchait juste avant de commencer. Laure, vous restez avec moi? Volontiers. Allez, un film sur Décideurs Engagés, notre émission, l'émission que propose l'hémicycle. Merci. Chaque lundi et jeudi sur l'Hémicycle TV, retrouvez On se dit tout, une émission animée par Arnaud Ardouin qui accueille des décideurs engagés pour mieux les connaître et appréhender ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre, de s'engager et de faire bouger les lignes. Ils nous livrent leurs réflexions sur les grands enjeux qui font la société, écologie, parité, handicap, égalité des chances, mais aussi leur regard sur la vie politique. On se dit tout, chaque lundi et jeudi sur l'Hémicycle TV. Voilà, nous sommes en direct, changement de plateau. Voilà, il y a beaucoup de mouvements alors. C'est très bien, c'est vivant. On va parler de l'apprentissage et de l'international, là encore, des personnalités au cœur de la machine, si je puis dire. La machine éducative nous a rejoint. Laure est toujours à mes côtés. Thierry, vous êtes toujours là. Ça se passe bien jusqu'à maintenant. À votre droite, vous la connaissez bien, celle qui est absolument à votre droite. Donatia Nisser, directrice générale de Campus France, va nous parler de la position de la France dans le monde. On est tellement attentif à comment on voit la France, comment la France Bonsoir, est... C'est une histoire des diplomaties, l'éducation et la position de la France via l'éducation dans le monde.
Je le crois, bien sûr. En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est qu'aujourd'hui, la projection de notre enseignement supérieur, c'est effectivement un vecteur d'influence, de rayonnement pour la France. On a des établissements qui sont très présents à l'étranger. Et parfois, les Français ont tendance un peu peut-être à se désoler. Mais il n'y a pas de raison. Nous sommes toujours un grand pays d'attractivité pour les étudiants étrangers, le 6e dans le monde. Et nous venons de franchir le cap des 400 000 étudiants étrangers dans l'enseignement supérieur français, des talents qui droit vers notre cible d'un demi-million en 2027. Voilà. Et puis je me rappelle la phrase que vous m'avez dite quand on préparait, on a le meilleur rapport qualité-prix, ce qui est assez facile, hein, parce que ça coûte tellement cher aux États-Unis, mais en tout cas la qualité est là, et pour celles et ceux qui nous rejoignent. Allez, je continue mon petit tour de table. Aline Mougenot, vous êtes présidente de l'OCOEP, bienvenue. Alors, vous êtes avec nous, donc on n'aura pas de problème de transmission, si je puis dire. L'inclusion, on en a parlé tout à l'heure, l'apprentissage, c'est au cœur, c'est l'ADN de l'OPCO et de tous les OPCO, des opérateurs de compétences. Tout à fait, OPCO-EP, c'est l'OPCO de l'accompagnement. Rappelez-moi combien d'apprentis, c'est énorme de mon souvenir, c'est plusieurs centaines de milliers. Alors, quelques chiffres, si vous voulez, 400 000 entreprises, 3 millions de salariés couverts, et en 2022, 160 000 contrats d'apprentissage. Ouais, c'est beaucoup quand même. Et à côté de vous, vous avez Olivier Delagarde, président du Collège de Paris, qui lui propose des formations en apprentissage depuis longtemps. 10 000 apprentis, c'est ça, hein, c'est aussi 14 000. 14 000. Donc je réactualise mes chiffres. Hein. Mais arrêtez de me reprendre comme ça, ça fait vraiment celui qui n'est pas préparé. Or, nous avions préparé l'émission ensemble, 14 000. Peut-être que ça a évolué dans la nuit, on ne sait jamais. C'est donc ça. Voilà, 14 000 apprentis dans tous les domaines. Et puis à distance vraiment très très raisonnable pour le coup. Jean Charouin, bonjour Jean. Jean Charouin qui est en Australie, directeur général de l'ESCA et qui parlera avec Donatienne et directement avec nos invités de l'international. Est-ce que Jean Charouin est connecté? Non, on va pédaler jusqu'en Australie pendant que Laure nous présente les résultats concernant d'une part l'international et puis aussi un mot sur l'apprentissage. Tout à fait. Alors, on a posé une question effectivement à notre panel de Français, hein, toujours pour l'hémicycle. Est-ce que selon eux, les étudiants devraient-ils tous avoir une expérience obligatoire à l'international d'au moins un semestre? Et là, vous voyez à nouveau les Français. Alors, c'est vrai que c'est les Français dans leur ensemble, hein, ils ne sont pas tous concernés. Il y a quand même une petite majorité qui se dessine, 42% qui considèrent effectivement que ce serait vraiment intéressant que tout le monde ait cette expérience à l'international. Ne c'est pas 22%. Donc là, effectivement, chez ceux qui ne savent pas, ceux qui n'expriment pas d'opinion, on retrouve notamment les plus seniors. Et puis, ceux chez qui c'est plus réservé, c'est notamment les ouvriers employés, ceux finalement, la classe moyenne inférieure, pas forcément moins concernés, mais qui ont peut-être aussi quelques réticences, parce que envoyer son enfant à l'étranger, ça peut être très coûteux. Très coûteux, oui. Donc, et puis, on a aussi une petite réticence de la part des plus jeunes. Ça, c'est intéressant. Je pensais qu'au contraire, les jeunes seraient très enclins à aller à l'international. Et je pense que s'ils ne sont pas poussés, effectivement, ils peuvent être un petit peu... avoir quelques résistances qu'il faut évidemment arriver à lever. Je vous parle de l'apprentissage après. On le fera tout à l'heure, comme tout à l'heure, de Donatienne. Alors, un commentaire sur ces chiffres. D'abord, ça ne veut pas dire que les Français ne veulent pas voyager, mais en tout cas, il y a la mobilité entrante et sortante. Hein, c'est aussi important. Bien sûr, mais ça confirme en tout cas tout à fait... À la fois ce qui est l'expérience, je dirais, que nous vivons à Campus France tous les jours en recevant aussi des étudiants internationaux, des boursiers, et donc nous les voyons évoluer aussi dans leur expérience d'expatriation. Et ça confirme aussi finalement beaucoup de conversations que moi j'ai au cours de mes voyages avec des ministères de l'enseignement supérieur étrangers qui en effet placent une valeur sur l'internationalisation comme un facteur d'excellence, d'évolution de leur système, et puis une valeur qu'aujourd'hui les entreprises recherchent dans les compétences qu'on acquiert dans une expatriation, autonomie, adaptabilité, compréhension justement de ces enjeux globaux aujourd'hui qui concernent l'ensemble de la planète. Ce que les gens recherchent aujourd'hui, c'est une éducation globale, et des moyens justement de comprendre ces défis sociétaux, cette transition écologique à laquelle tous les pays du monde sont confrontés. On est en concurrence.
L'industrie pardon, de l'éducation, ouais. À la française, que les universités publiques, privées, les grandes écoles sont en concurrence. C'est le dire. Je pense que la grande différence, si vous voulez, aujourd'hui, par rapport à il y a même encore 10 ou 15 ans, c'est que donc, non seulement nous sommes dans une économie de la connaissance, mais nous sommes dans une économie de la connaissance mondialisée. On a aujourd'hui, on est non seulement en concurrence avec nos concurrents habituels, qui étaient les grands pays développés, oui. Les États-Unis, les Anglais, avec des marques très très installées, des très grandes universités, les Canadiens bien sûr aussi, mais les Australiens. Aujourd'hui, nous sommes aussi en concurrence avec des nouveaux pays qui rentrent sur le marché, la Turquie, l'Arabie Saoudite, parfois même justement l'Ukraine, on l'a vu aussi, des plus petits pays qui ont bien compris le caractère stratégique de ces enjeux de mobilité internationale. Oui, et Donatia nous rappelle, hein, on parle de mobilité, c'est pour parler de voyage, partir, mais l'attractivité est aussi importante, hein, faire venir les chercheurs, les bons étudiants, ça c'est capital. Hein, c'est ce que tous ces pays cherchent à faire. Oui, c'est ça. Hein. S'attirer les meilleurs cerveaux. La question, ils ne font pas payer les bons étudiants, y compris les bons étudiants français. Hein. On s'est fait débaucher quand même des très bons dans les laboratoires américains, Thierry Coulon. Oui, mais ce n'est pas un problème dans la mesure où ils reviennent. Ah oui, mais c'est très bien pour eux. Hein, c'est... Vous avez vous-même enseigné en Australie, si j'ai pas eu. Mais je suis revenu. Vous avez eu des grandes missions, des grandes fonctions aussi. Donc, une question. L'international, est-ce que c'est pris à la mesure de l'importance de ce sujet dans les universités aujourd'hui? Alors, il y a des VP internationales hein, dans toutes les universités. Est-ce que, un VP international me disait, j'aimerais que ce soit un sujet régalien de l'université. Ça veut dire qu'il doit encore défendre cette approche internationale. Ils sont un petit peu malheureux parce qu'il y a les vice-présidents statutaires qui sont cités dans la loi, que les vice-présidents internationaux ne le sont pas. C'est un détail. Le point important, c'est qu'on part de très loin. On part d'un système qui n'est pas assez tourné vers l'international. Et il l'est aujourd'hui. Toute université qui se respecte a une stratégie internationale qui est sans doute pas assez focalisée. Il y a beaucoup de conventions, il y a beaucoup de partenaires, ça part un peu dans tous les sens. Mais aujourd'hui, la plupart des grandes machines ont une stratégie internationale plus claire. Il faut dire qu'on a des atouts incroyables qui ont été jusqu'à présent assez mal présentés, avec un système d'une complexité effrayante qui n'arrivait pas à mettre en avant des champions clairement structurés. Bon, quand on a l'Université Paris-Saclay, l'Institut Polytechnique de Paris, Sorbonne Université, PSL, les grandes provinciales, Bordeaux, Marseille, Strasbourg, etc., on a un paysage clair. Vous n'avez pas Aix-Marseille 1, 2, 3 jusqu'à 42, mais vous avez une université avec, hopefully, un numéro de téléphone. Et donc, les choses vont mieux de ce point de vue-là. Alors, Donatienne se bat tous les jours pour que les outils de l'attractivité nous permettent de tenir notre rang. C'est difficile. C'est-à-dire qu'on a la vérité et qu'on a encore un petit peu régressé à un moment donné. Bon, le Covid n'a rien arrangé. Mais ce qu'il faut se dire, c'est deux choses. On a des opportunités géopolitiques magnifiques. Le Brexit, c'est quand même très franchement une occasion à ne pas rater. Une certaine situation politique aux États-Unis, à un moment donné, nous donnait des opportunités. On a des outils. La politique Bienvenue en France, c'était aussi augmenter l'accueil, la qualité de l'accueil. Label, hein, c'est un label, hein, Bienvenue en France. Oui, c'est aussi un label, mais c'est aussi un engagement à augmenter la qualité de l'accueil. Parce qu'il y a une question de quantité des étudiants qu'on accueille, il y a aussi une question de qualité, il faut se le dire franchement. Donatienne, ce qui est intéressant, et alors, vous nuancez mon propos, mais moi je fais journaliste, hein, pardonnez-moi, mais vous disiez, y compris dans les pays où on est peu bousculé sur le plan militaire, sur le plan politique, on reste attractif, hein, je pense à l'Afrique francophone, notamment où il y a eu des échanges un peu vigoureux, les étudiants veulent toujours venir chez nous, il y a toujours des relations, on le verra avec Olivier Delagarde, hein, qui revient d'Afrique, hein, il y a quelques temps vous étiez, quand on s'est parlé au téléphone, vous étiez en Afrique francophone. Ça, faut le savoir, et c'est la résilience de l'éducation est importante dans la stratégie. Oui, et puis, alors, je pense que, si vous voulez, par exemple, donc, en Afrique francophone, on voit beaucoup en ce moment, et c'est vrai, hein, se développer un sentiment anti-français qui est aussi, il faut bien le dire, entretenu, hein, en sous-main par certaines puissances étrangères qui diffusent de l'information de l'infox. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas se laisser aveugler par cette
situation-là. De fait, aujourd'hui, la France reste le premier pays de destination des étudiants en Afrique subsaharienne, et de très loin quand même devant les États-Unis. Et donc, il y a un véritable... On aime la France, il faut le dire. Il y a quand même... on regarde vers la France pour faire ses études supérieures. 40% de plus d'étudiants subsahariens dans l'enseignement supérieur français en 5 ans. C'est évidemment aussi une force pour notre pays, parce que c'est ce continent-là qui est le réservoir de jeunesse du monde à 2050. Et donc, c'est très important, et c'est d'autant plus important que cette jeunesse continue de se tourner vers la France, que précisément, elle est la cible de toutes ces manipulations des extrémismes. On sait qui c'est, au moins c'est déjà ça. Jean Charouin, je m'excuse de vous réveiller, ou plutôt désolé de vous avoir réveillé si tôt, parce que je sais qu'il est très tôt, vous êtes en Australie. Oui, tout à fait. Il est quelle heure ? Bonjour à toutes et à tous, bonsoir pour vous. Il est quelle heure, Jean ? Là, il est 6 heures du matin. Vous mettez une cravate à 5 heures du matin. C'est pas grave. Donc il est à l'ouest de l'Australie, alors. Ah, mais Thierry Coulon, qui a enseigné en Australie, vous êtes à l'ouest, semble-t-il. De l'Australie. De l'Australie, bien sûr. Vous n'êtes pas à l'ouest personnellement. Jean, alors pourquoi vous êtes en Australie? Et puis je vous pose une autre question sur l'Europe tout à l'heure. Pourquoi l'Australie? Tout simplement parce que de toute façon, il ne peut pas y avoir de grands projets d'institutions d'enseignement supérieur et de recherche sans avoir une projection internationale, y compris lointaine, pour avoir des collaborations au meilleur niveau, des collaborations scientifiques, académiques, et puis également des projets pédagogiques d'interdisciplinarité avec des institutions situées sur d'autres continents. Mais en tout cas, ça s'intègre dans une stratégie plus globale, celle de, bien sûr, d'intégrer aussi ces enjeux d'impact écologique de nos partenariats. Et si je suis présent aujourd'hui en Australie, c'est pour travailler sur des partenariats très structurants et non plus uniquement sur des échanges d'étudiants comme ce fut le cas auparavant. Ouais. Et d'abord, juste un mot, est-ce qu'on accueille volontiers les Français là-bas? Pour l'instant, je n'ai eu aucun problème. Mais plus largement, les étudiants français adorent l'Australie. On pourrait dire que les Australiens sont moins attirés peut-être par la France et l'Europe. En tout cas, ça reste quand même une grande zone du Commonwealth. Mais quoi qu'il en soit, c'est à travers les partenariats scientifiques, je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose aussi, les partenariats académiques avec les institutions. Mais dans ce cas-là, ça se décide au meilleur niveau. Alors, un lien avec l'apprentissage, parce que vous me disiez, quand on préparait cette émission, vous savez que l'apprentissage, c'est le deuxième thème de notre plateau, avec nos amis de l'OCOP et le Collège de Paris. Vous me disiez, au fond, les apprentis aussi peuvent bouger dans le monde entier, parce que jusqu'à maintenant, ils ne pouvaient pas trop. Hein. C'était compliqué d'un point de vue réglementaire. Et là, il y a une mobilité qui est favorisée par l'Europe et puis par les dispositions réglementaires. Oui. Alors, au niveau de l'apprentissage, on reste bien entendu sur des activités assez encadrées. Pour certains de nos alternants, nos apprentis, nous leur permettons de passer principalement des semaines bloquées, voire éventuellement un mois, sur un de nos campus en Europe. En tout cas, il y a des dispositifs qui sont en train d'émerger pour favoriser les mobilités transfrontalières, et nous intégrons tout à fait dans ces dispositifs. Parce que nous considérons, y compris pour ces alternants, hein, ces apprentis, qu'il est important qu'ils aient une bonne exposition internationale. Jusqu'à présent, justement, il y avait peut-être parfois ce regret de faire un choix entre l'apprentissage, l'alternance et l'international dans un cursus classique. Juste un mot, alors, vous êtes en Australie, donc ça illustre un peu pas trop ma question, mais en même temps, quand j'avais passé un peu de temps avec vous, et vous m'expliquiez une volonté de recentrage sur l'Europe pour justement répondre à cette préoccupation d'impact et d'empreinte carbone, parce que l'Europe, c'est plus sécure, c'est moins loin, on peut y aller en train. Certains, ils sont même allés en vélo dans certains pays. Vous êtes loin, mais pour des partenaires structurants, mais pour autant, une volonté de recentrer peut-être sur l'Europe les échanges avec des implantations de campus sur l'Europe même. Tout à fait. Les trois dernières années, on nous a conduit à reconsidérer une partie de nos développements internationaux, puisque de toute façon, du fait de la crise sanitaire, puis également des tensions géopolitiques, de la guerre en Ukraine, évidemment, tous les flux internationaux ont été rebattus. Puis on a bien vu aussi que certaines zones géographiques avaient
peut-être des réactions très protectionnistes ou pouvaient à tout moment cesser d'émettre des visas. Et de ce point de vue, nous considérons que l'international reste important pour nos étudiants. Puis pour notre institut, il est important également d'accueillir des étudiants internationaux, d'où un recentrage sur l'Europe, puisque l'Europe, c'est un espace européen de l'enseignement supérieur qui partage des éléments très structurants, hein, tels que par exemple ses crédits ECTS. C'est aussi une zone géographique dans laquelle on a un espace Schengen, c'est-à-dire de mobilité. Et si nous attirons un étudiant extra-européen, il peut circuler d'un pays à l'autre, mais c'est le cas également pour nos étudiants qui peuvent facilement passer d'un pays à l'autre dans le cadre de cet espace Schengen. Et puis, évidemment, il y a aussi un aspect important dans le cadre du développement international d'une institution, c'est la stabilité monétaire de la zone euro. Et c'est pour ça que nous avons choisi ce recentrage. Vive l'Europe! Enfin, il y a l'enjeu écologique, bien évidemment. Bah oui, bien sûr. Et l'enjeu écologique, c'est de faire en sorte que dorénavant, autant on va favoriser une mobilité géographique intra-européenne, éventuellement pour des périodes relativement courtes, hein, quelques semaines à un semestre, voire une année, mais pour tout ce qui sera extra-européen, aller davantage sur des activités diplômantes et certifiantes. Avant de parler apprentissage, Donatienne, vous confirmez ce recentrage un peu sur l'Europe qu'exprimait Jean Charouin? Alors, c'est certain que la crise Covid a fait beaucoup évoluer les perceptions aussi de cette mobilité internationale, avec aussi une conscience écologique qui devient de plus en plus forte, aussi bien d'ailleurs chez les jeunes générations, chez les étudiants eux-mêmes. C'est même eux qui l'exigent. Hein. C'est eux qui l'exigent, absolument, qui l'exigent aussi comme... fond de leur formation, comme prise en compte dans leur formation. Et effectivement, il y a une tendance, en effet, à avoir cette forme de, en tout cas, d'encouragement à des mobilités plus proches et douces. Mais j'allais dire que, je plaide aussi pour le grand international, je pense que ça reste quand même absolument essentiel qu'on ne soit pas replié sur des zones et qu'un étudiant puisse aujourd'hui avoir l'expérience d'un pays en développement, de ce que c'est un modèle de développement inabouti, des inégalités, etc. Thierry Coulon, un mot, et puis après on parlera apprentissage. Alors. Mm-hmm. On a parlé du grand international et Jean Vigean, qui doit être à Perth, je devine, je l'envie, vraiment. On a parlé de l'espace européen. Je voudrais rajouter un autre espace. Je suis un peu sous influence. Hier, j'étais à Rabat pour l'inauguration de l'Académie internationale de la francophonie scientifique et avec l'Agence universitaire de la francophonie. L'espace francophone, assez extraordinaire. Et moi, si vous voulez, ma boutique vend de l'évaluation, c'est-à-dire de la structuration de l'enseignement supérieur. Il y a une appétence dans un grand nombre de zones qui est extrêmement intéressante. Et alors, le charme de la francophonie, c'est que même quand on se méfie de la France, bon, j'étais au Maroc, ces temps-ci, c'est pas la meilleure période, peut-être, mais il y a une appétence pour la francophonie qui est extrêmement forte. Donc, n'oublions pas cet espace-là. Il est bien pratique. 300 millions de locuteurs en 2050. Oui, absolument. Bah, écoutez, ça va être la deuxième langue à plus parler. On va parler apprentissage, vous êtes d'accord? Un chiffre, quand même, que vous pourrez commenter? Apprentissage, effectivement. Bah, alors là, pour le coup, les Français ont une opinion très, très claire sur est-ce qu'il faudrait davantage dans les formations supérieures avoir une période en contrat d'apprentissage en entreprise. 87% des Français nous disent... Oui, c'est radical. Par rapport au chiffre mijauré, on va dire, d'avant. Là, exactement. Il y a des sujets sur lesquels l'opinion a du mal à se positionner. Et là, sur l'apprentissage, pour le coup, c'est très, très clair. Effectivement, il y a vraiment un plébiscite de l'apprentissage. Y compris chez les jeunes, y compris transversal à l'ensemble de la société française, chez les jeunes, chez les plus âgés. Et puis, chez les ouvriers aussi, c'est très important en termes de catégorie socio-professionnelle, c'est-à-dire que les ouvriers incitent encore plus, peut-être, les autres à justement avoir cette période de contrat d'apprentissage dans la formation supérieure. Aline Mougeot, ça confirme toutes les tendances, en tout cas, que vous avez constatées vous-même sur l'apprentissage et son explosion littéralement. Alors, l'État a beaucoup aidé, évidemment, mais en tout cas, il y a une appétence très forte. On a beaucoup utilisé le mot appétence, vous avez trouvé, Oui, mais c'est bien, une fois qu'on a envie. Si vous le permettez, je vais revenir sur la mobilité internationale. On l'a largement abordé sur l'enseignement supérieur, mais la mobilité internationale, c'est une réalité pour tout le monde. Et à OPCO-EP, on souhaite l'encourager, on travaille à l'encourager à tous les niveaux. Et infra-bac, bac, au niveau de l'apprentissage, c'est quelque chose qui est
indispensable. On travaille à la problématique des langues qui est quelquefois un frein. Ah oui. Et la francophonie est une des réponses sur laquelle on travaille. Ça se développe ? Bien sûr, bien sûr. Les chiffres sont saillants, en tout cas. Donc, un mot sur l'apprentissage. Évidemment, vous avez profité du mouvement, j'imagine, aussi dans l'approche. Alors effectivement, la progression de l'apprentissage, c'est une réalité, puisque on a progressé de 63% en l'espace de 2 ans. Donc c'est important. Maintenant, l'apprentissage pour OPCOEP, c'est dans l'ADN, parce qu'on est sur des métiers de proximité, des métiers qui ont toujours eu, pour la plupart, recours à l'apprentissage. On parle de boulangerie, on parle de coiffeur, enfin, ça parle à tout le monde. Maintenant, je ne pourrais pas répondre aussi de façon aussi tranchée que l'ont fait vos invités. Oui, effectivement, l'apprentissage, c'est intéressant. Par contre, on a certains métiers qui nécessitent un socle de savoirs fondamentaux qui passent par les formations supérieures et l'université traditionnelle. On a des professions réglementées. À OPCOEP, on a tout ce qui est médical, paramédical. Un dentiste, voilà, je prends cet exemple-là, vous n'irez pas confier votre mâchoire à quelqu'un qui n'a pas une connaissance... C'est un peu exotique, certains le font, mais c'est pas recommandé. Qui n'a pas une connaissance de ce que c'est qu'une mâchoire, de comment elle est constituée. Oui. Donc, tous les métiers ne s'y prêtent pas. Mais à l'inverse, quand c'est possible, c'est effectivement un excellent vecteur pour différentes raisons. Il y a des métiers qui se prêtent vraiment à la transmission de pair à pair. Et surtout, à l'heure actuelle, on est dans une société avec, on est aujourd'hui une journée de mobilisation, avec des débats sociaux. Et le fait de pouvoir... Tout le monde n'est pas égaux par rapport au fait de pouvoir faire des études supérieures. Mmh. Et l'apprentissage est un moyen... Ascenseur. Olivier, une question, là, du chiffre, et puis aussi un exemple. Et puis, on fera le lien avec l'international de Dacienne, si vous me permettez, parce qu'on sait exporter. Et c'est que disait la ministre déléguée chargée de l'enseignement. La France doit être reconnue à l'international comme la nation des compétences. Ça a dû vous faire plaisir. Ah ben ça, c'est alors, formidable. Vous commentez les chiffres et après, on dit ça. C'est formidable parce qu'effectivement, les chiffres, ce qu'ils traduisent, c'est qu'il y a un boom de l'apprentissage, incontestablement, avec des mesures structurelles et conjoncturelles qui ont fait qu'on est passé de moins de 300 000 apprentis au début du quinquennat Macron. On en a aujourd'hui 820 000 et on va vers le million. Donc, il y a une vraie explosion, un vrai développement de l'apprentissage. Et ça traduit un développement plus large et finalement plus intéressant, qui est le développement de l'enseignement supérieur professionnel, qui était... On avait bien cette problématique enseignement général, enseignement professionnel sur l'infrabac. C'est maintenant un sujet, un enjeu pour l'enseignement supérieur, ce fait d'avoir des choix d'orientation qui permettent de s'orienter soit sur des formations à dominante académique, alors qui d'ailleurs préparent également à des métiers, mais enfin dans les contenus dont la manière dont elles sont évaluées sont plutôt tendues vers l'amont, vers la qualité d'enseignement, et puis des formations qui sont plus tendues vers l'insertion professionnelle et dont on va analyser la qualité, l'impact en fonction des compétences qu'elles délivrent et en fonction de l'insertion. Et donc ça, c'est tout un nouveau champ qui est en train de se structurer et puis qui accompagne la montée en qualification des métiers, puisque maintenant l'enseignement professionnel, il faut former aussi, on parlait tout à l'heure d'intelligence artificielle, un chef de projet intelligence artificielle, ça nécessite des niveaux de formation qui doivent pousser en avant. Donc je crois que ce que ça traduit là, en fait, au-delà du succès de l'apprentissage, c'est un mode de formation, en fait, qui est en train de se développer. Prenez l'exemple des dentistes. À proprement parler, on n'imagine pas bien qu'on fasse un contrat d'apprentissage en première année pour un dentiste, ce serait un peu inquiétant. En revanche, il y a une période de leur formation où voilà, il va falloir les aussi... Les médecins, ils sont en apprentissage, enfin en alternance au moins. Et donc, cette pas bien payé, c'est sûr. Cette pédagogie de l'alternance qui va plus loin de l'apprentissage, ça, je pense que c'est quelque chose qui est plébiscité et ça me semble très positif. Vous serez dans un voyage présidentiel, je pense, en Ouganda, c'est ça ? C'était en Angola. C'était en Angola, pardonnez-moi. Je reprends un peu ma géographie, mais c'était un truc de mémoire, pardonnez-moi.
Racontez-nous cet exemple, pardonnez-moi, j'aime faire partager ces petites histoires. Au Pakistan, vous avez 100 personnes qui sont formées sur des formations aussi professionnelles et des compétences. Ça veut dire qu'on a une capacité d'exporter aussi ces formations, ces compétences, ces formations. Oui, moi, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Et un de mes combats, effectivement, c'est un des combats du Collège de Paris, c'est l'internationalisation de l'enseignement supérieur professionnel, qui est encore plus en retard, si on peut dire, que pouvait l'être l'enseignement supérieur plus traditionnel. Ça passe par trois choses, trois sujets qui ont déjà été évoqués, mais qui s'envisagent du coup de manière un peu différente. D'abord, la mobilité entrante. On a des métiers en France qui sont extrêmement connus. Alors, il y en a certains qui vont avec la French Touch, la mode, la cuisine, la boulangerie. Il y en a d'autres qui vont avec des technologies de pointe, les jeux vidéo, l'informatique. Et donc, il y a un certain nombre de jeunes qui sont attirés par la formation à ces métiers. Or, le système aujourd'hui, un des systèmes dominants de certification dans ces métiers, c'est souvent celui des titres à finalité professionnelle qui sont dans le champ de la reconnaissance du ministère du Travail, qui sont inscrits comme les diplômes académiques du reste au Registre national des certifications professionnelles. Ça, c'est un système qui a beaucoup de vertus, mais qui n'est pas d'une extraordinaire lisibilité, déjà en France. Alors autant dire, puisque je me suis frotté à l'exercice, d'expliquer ça à un Chinois, un truc comme ça, on commence à rentrer dans des choses un peu compliquées. Donc il y a un vrai travail, je pense, pour rendre plus lisible et plus compréhensible le système de certification professionnelle, y compris à l'étranger. À la française. Aline Mougenot, est-ce que vous souhaitez que l'État continue de soutenir, parce que ça aussi était un espérateur à apprentissage et alternance. Est-ce que l'État doit continuer son effort là-dessus? Je ne vais pas répondre pour l'État. Par contre, ce que je souhaiterais dire, c'est que pendant longtemps, on a considéré l'apprentissage comme un second choix. Et aujourd'hui, ça change. Ça a changé. Alors, si la contribution de l'État a permis de faire bouger les choses plus rapidement, c'est parfait. Ça a bougé vite quand même, en 2 ans. Ça a bougé vite, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est la société dans laquelle on est. Et entrer dans la vie active avec l'apprentissage, c'est rentrer dans la vie active plus rapidement. Ah oui. C'est être un acteur économique plus tôt. Oui, et à l'heure où on commence à regarder les trimestres nécessaires pour sa retraite, c'est important aussi pour les jeunes de se dire que... ça compte pour les trimestres, l'apprentissage. Je vais pouvoir rentrer en apprentissage, apprendre un métier, continuer des études supérieures tout en étant un acteur de la vie économique. On fait de l'apprentissage en Australie, Jean Charouin? Oui, Thierry Coulon dit, vous ne savez pas, il y a des formes d'apprentissage. De toute façon, il faut voir une chose, c'est que l'apprentissage, c'est qu'un dispositif de professionnalisation que les anglo-saxons ont aussi intégré, je dirais, naturellement dans leur mode de vie. C'est-à-dire qu'il n'y avait, pour ainsi dire, qu'en France ou dans certains pays tels que la France, où on devait terminer son cycle master sans avoir une exposition au monde du travail, si ce n'est à travers des stages. Mais quand on voit nos étudiants partent à l'étranger, à des niveaux master, ils sont souvent surpris de voir qu'ils sont en cours avec des personnes qui ont obtenu l'équivalent d'un bachelor, d'un grade de licence quelques années auparavant, qui ont travaillé, qui reviennent prendre leurs études, ou qui suivent leur master dans une forme d'alternance où globalement ils payent leurs études, mais en même temps ils sont payés. Et les universités, les institutions ont adapté leur cursus en ayant davantage de cours du soir, des cours le samedi ou des cours sur des plages horaires différentes de ce que nous faisons habituellement en France. Ok, on va passer la parole à vous. On fera le mot de la fin tous les deux, alors non, ça sera Thierry. De Nassel, alors tout ça vous intéresse. Vous avez bien vu qu'on est compétitif sur les formations professionnelles, sur les formations d'excellence. On est attractif. Est-ce que ça va aller dans le bon sens? Alors vous allez me dire oui, j'imagine. Mais mon sujet, c'est est-ce qu'on est en capacité, comme je le disais pour l'IA tout à l'heure, de répondre aux sollicitations du monde entier et aux sollicitations internes, parce qu'on veut bouger aussi chez les étudiants. Ça, c'est un vrai sujet, parce que moi, ce que je voulais dire, c'est que, à mon sens, il y a un vrai boulevard, justement, pour la formation professionnelle dans toutes ses composantes, depuis, je dirais, le lycée professionnel, le BTS, jusqu'à des masters très spécialisés. Il y a une demande énorme que nous rencontrons dans nos pays partenaires, parce que, précisément, on n'a pas forcément le loisir dans cette société-là de faire des études longues. On a envie de rentrer dans la vie professionnelle vite, de contribuer au développement économique de son pays. Donc il y a un vrai boulevard. Est-ce qu'on a la capacité de répondre de plus en plus? Il faut quand même reconnaître que l'apprentissage à l'international, pendant longtemps, ça a été très compliqué, qu'il y a eu un grand saut qui a été fait, justement, dans le cadre européen. Bien entendu, il faut que ça continue. Je pense qu'il faut aussi que, en effet,
on fédère mieux les acteurs qui dépendent et du secondaire et du supérieur. Et je suis d'accord sur la nécessité d'introduire une plus grande lisibilité, une certaine transparence dans ces certifications qui sont parfois utilisées par certains établissements pour justement vendre du rêve aux étudiants internationaux qui sont peut-être plus vulnérables que d'autres. Ouais. Ben ça, c'est le rôle du législateur et de l'État régulateur. Jean, on vous dit au revoir et puis on passera la parole à Laure. On vous souhaite bon vent en Australie. Je sais pas, il fait beau chez vous ? Il fait beau. Merci beaucoup. Il est toujours beau. On rêve. Moi, je suis arrivé tardivement et j'ai l'impression qu'il fait doux. Voilà, mais la température est très clémente. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Jean. On vous souhaite bon vent et puis représenter la France au bout du monde. C'est 15 heures d'avion, si j'ai bon. J'ai... 15 heures, je suis d'accord. Plus facile, oui. Alors, un dernier mot, et puis... Juste, parce que je voulais dire par rapport au premier débat qu'on avait, justement, c'est que l'apprentissage, c'est aussi un formidable moyen, je pense, de faire rentrer l'entreprise dans les formations, avec, par le biais notamment des apprentis. Et je crois que c'est important aussi qu'il y ait ces échanges comme ça, à la fois des entreprises vers les formations, mais aussi des formations dans les entreprises. Et je pense que l'apprentissage, effectivement, réunit et réconcilie. Les jeunes, en plus, qui sont... Et puis là, tous vos jeunes, ils sont placés rapidement. On voit bien même les apprentis de l'ESCA. Donatienne, merci. On rappelle, Campus France est présent partout dans le monde. 134 pays. 134 pays, c'est presque la totalité des pays, en réalité. Thierry Coulon, vous avez eu nos suppléments, je ne vous les offre pas. Je les offrirai à tout le monde. Le mot de la fin, il vous revient quand même. Vous étiez notre invité. Si vous voulez. Mais beaucoup de choses ont été dites. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la formation et l'enseignement. Et je crois qu'on n'a pas tout adressé. Je crois. Mais beaucoup de choses ont été dites. S'agissant de l'apprentissage, c'est une réussite extraordinaire. Il faut le dire, c'est important. Deux, on parlait d'inclusion tout à l'heure. En termes d'inclusion, c'est quand même magique. C'est aussi une source de financement pour les établissements d'enseignement supérieur qui n'est pas tout à fait négligeable. Un jour, les coûts s'ajusteront. Il y aura des négociations. Il y a des débats là-dessus. Le marché trouve les bons équilibres. Ça a été dit aussi, il y a un sujet professionnalisation qui est plus large, au-delà de ça, qui n'est pas complètement nouveau à l'université, parce que je sache le droit à la médecine, ça fait longtemps que c'est professionnel, et ça fait longtemps que c'est à l'université. Moi, je voudrais te dire deux choses. D'une part, la question de la régulation. La frontière privé d'intérêt général, privé lucratif, pourquoi pas que sans fleurs s'épanouissent, mais on ne peut pas vendre n'importe quoi aux familles. Et donc, il va falloir réguler. On a une régulation RNCP, le ministère du Travail, une régulation académique plus classique. Il faut que les uns et les autres se parlent. Nous, en tout cas, organisme d'évaluation, on est à disposition pour évaluer qui veut l'être et pour être transparent vis-à-vis des familles. Et dernier point, au fond, sur la grande évolution de l'enseignement supérieur, il me semble qu'une des solutions, c'est une fois de plus de s'adapter à ce dont les jeunes ont besoin, et probablement, est-ce qu'il faut avoir une offre de filière de formation professionnelle plus courte, qui soit beaucoup plus abondante et beaucoup plus diverse. Et de ce point de vue-là, il y a des inconvénients, c'est que ça coûte de l'argent, que c'est fatigant, encore faut-il avoir envie d'aller y enseigner. Et bien, le monde est en train de basculer, et je crois que ça sera aussi d'ailleurs la solution, d'une certaine manière, pour les filières générales. On ne raisonne plus en termes de cloisonnement, il n'y a plus deux filières, il y a tout un spectre continu, et sans doute, une fois de plus, ça a été un peu mon leitmotiv, il faut diversifier l'offre et se tourner vers les publics étudiants pour leur offrir ce dont ils ont besoin. Si on a besoin d'aide, on vient vous demander. De toute façon, visiblement, vous maîtrisez le sujet. à force de temps. Merci beaucoup. Je rappelle notre hors-série consacrée à la formation avec l'hémicycle qui sort demain. Vous savez, ce magazine qui traite de plein de sujets. Quel avenir pour la droite ? Tenez, c'est un sujet. François Ruffin est notre invité. Les présidents et la mort. Bon, des sujets éminemment politiques, traités sur un angle avec le directeur de la rédaction, Éric Revel, que je salue, et Romain Rosso, notre rédacteur en chef. Voilà, c'était pas mal. Merci beaucoup, on aurait pu rester encore plus longtemps. Merci à tous, on se retrouve pour une prochaine émission de l'Hémicycle et bonne soirée à tous, à très bientôt. International Women's Forum est un réseau unique qui rassemble plus de 7000 femmes influentes au niveau mondial et nous sommes plus de 200 en France. Nous œuvrons pour l'égalité femmes-hommes dans les enjeux sociétaux et contribuons notamment à intégrer des femmes au sein des instances décisionnelles des entreprises. Nous avons décidé, il y a près de 5 ans, de créer les Assises de la parité pour rassembler au travers d'un dispositif unique tous les acteurs engagés sur ce sujet et participer activement à faire bouger les lignes.
L'occasion notamment de se mettre en mouvement collectivement, de partager et aider à mettre en pratique les initiatives qui fonctionnent en France et à l'international, de décrypter les grandes tendances et de mobiliser largement en interne et en externe. Les Assises de la parité 2023 se tiendront sur le thème de la transformation en présence de milliers de décideurs, influenceurs et politiques. Transformation, car malgré la réglementation au niveau français comme au niveau européen, quand on regarde attentivement les chiffres et la composition des COMEX, les résultats n'y sont pas. Et trop nombreux sont encore les métiers carrières et filières genrées. Transformation, car quand on analyse l'accès à l'entrepreneuriat, le financement des start-up et de l'écosystème entrepreneurial, la parité est loin d'être atteinte. Transformation, car l'orientation scolaire et les parcours professionnels n'impactent pas suffisamment l'objectif paritaire. Transformation, car la parité est loin d'être une réalité dans les salaires. Transformation, car trop de biais conscients ou inconscients, individuels ou collectifs, culturels ou organisationnels, sont encore présents au sein de notre société. Transformation, car les bonnes pratiques, les initiatives qui fonctionnent, les réussites d'autres pays sont insuffisamment partagées, reprises, réexploitées. Transformation, car on recherche souvent que des rôles modèles, alors qu'il faut avant tout créer des conditions de réussite. Au regard de vos envies, engagements et objectifs en matière de parité, je compte sur vous pour rejoindre et élargir notre collectif composé d'une cinquantaine d'entreprises et institutions. Je vous dis à très bientôt et surtout n'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez que l'association intervienne d'une manière ou d'une autre au sein de votre structure, en amont et ou en aval des Assises de la parité 2023.